Jack, maman, elle enlève ses nattes. 2 minutes. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Ouais, hier j'ai fait des petites nattes comme ça parce que je m'en fous un peu. Demain je vais chez le coiffeur. Ça fait très années 80. Mais bon, le résultat, c'est pas fou sur moi, ça tient pas. Donc ça va. Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone des lunettes. Donc elles sont arrivées. J'ai peur que ça me convienne pas. Enfin, pas au niveau de la forme, hein, mais au niveau de. Enfin, que je m'y fasse, quoi. Avec ces verres progressifs. Il est 13h10 et j'ai faim. Hier, j'ai acheté ça. C'était en promo du coup, puisqu'il faut les manger aujourd'hui. Ça a l'air super bon. C'est à quoi d'ailleurs? Poulet rôti, fromage frais. Top, hein? Pareil, ce matin, bah, le facteur est passé. Je pense que c'est la bougie. Hein. Eh oui! Ah, je suis trop contente. Alors, on va sentir ça déjà. Donc, dans celle-ci. J'ai demandé, parce que bien évidemment, hein, je l'ai reçu gratuitement par le biais d'Octoly, j'ai demandé à My Jolly Candle de me l'envoyer. J'ai choisi senteur coconut. Oh là 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 là. Oui, bah, ça sent la coco. Il va y avoir un joli collier cette fois-ci, qui c'est aussi joli que la bague que j'ai eue. Donc on va faire ça toujours ensemble, au fur et à mesure. Je vous montrerai bien évidemment. Cire naturelle. Oh, génial! Quant au deuxième colis, je viens de voir ce que c'était et bah en fait c'est pour vous. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. C'est pour vous l'offrir. C'est un concours et je pense que ça va beaucoup vous plaire. D'ailleurs, en parlant de concours, je vais vous donner le résultat parce que le tirage au sort a été fait pour bah, la montre Holzkern. La gagnante, parce que c'est une gagnante vu le nom, il s'agit de Lola 63. Donc félicitations à toi. Pas d'inquiétude pour les autres. Donc comme je vous ai dit. Il y a d'autres concours à l'approche de Noël qui arrivent et très sympa aussi. Bon, bah, je crois que je suis arrivée un petit peu trop tôt. Comme Eric vient de rentrer du boulot, il m'a demandé d'aller chercher un petit sandwich. Donc, bah, on va faire ça tout de suite. Bonjour. Bonjour. Ouais, je pense que je vais vous prendre un lyonnais, s'il vous plaît. Ouais. Je vais me trimballer, je suis Optique 2000, le sandwich rosette. J'espère que ça va pas sentir, le saucisson. Le rideau est levé, comme on dit. Oh putain, ça tangue. Je les mets, hein, parce que je m'en fous, il faut que j'assiste pendant au moins 10 jours, mais ouais, c'est chaud quand même. Voilà, je vous présente mes lunettes. C'est presque les mêmes, mais elles sont pas un petit peu. Et alors si vous voyez du bleu, j'ai pris les reflets pour l'ordi et tout. Hein. Forcément, moi je le vois là d'ici, le bleu. Bon alors, bah, c'est chaud. Franchement, même si c'est une petite correction, t'as des zones de flou, t'as des zones où ça tangue, t'as l'impression d'avoir bu en fait, tout simplement. C'est assez désagréable, mais il faut que j'y arrive. Sinon, si je les mets comme ça de temps en temps, ça ne marchera pas. Par contre, au niveau du look, je sais pas trop. Et j'ai eu bah, un étui. Et bah écoutez, il est très joli, je trouve. Ouais, il est chouette. Voilà. Je veux tester devant la télé. Il manque de peau. Bah, il bug. Oh là là, mais il est trop mignon. Tu reconnais maman, elle a des nouvelles lunettes. Bon, je vous explique, je suis dans ma voiture parce que j'ai eu maman qui m'a appelé pour me dire que, vous savez, les photos pour le Vinted, je ne l'avais pas tout envoyé apparemment, mais j'ai tout effacé. Donc, bah, les clichés qu'elle a pas reçus, il faut que je les refasse. Donc, je vais chez elle rapidos et bah, j'ai vraiment encore l'impression d'être bourrée. Hein, mais tant pis, je vais tenir. Et puis là, c'est la partie voiture avec mes progressives. Ok, bon, bah, c'est reparti, je crois que c'était ça. Ouais, c'est tout cela que j'avais pas pu, enfin, qui ont été effacés. Allez, j'y retourne. Est-ce que vous pensez que je vais avoir des crêpes? Encore? Je pense pas. Hein. Bon, bah c'est pas la fête tous les jours en fait. C'était les crêpes la dernière fois. Là, on est rendu à la mandarine et le carré de chocolat. Merci maman. Bon, ça y est, je suis sortie. Allez, on rentre à la maison, ça caille.
Oh les boules, je viens de m'asseoir, j'ai pété la perche, je peux plus vloguer. Putain, il faut que j'aille à Leclerc, hein, absolument. Il est quoi, 6h? Non mais j'ai pas le choix. Ah le truc, j'étais peinard, j'allais monter dans mon bureau, faire mon petit montage, je me pose, hop, je mets mes fesses et je le casse. C'est ça? Ouais, si c'est ça, cool. Pff, allez, 35 euros. D'ailleurs, je vous montrerai à la maison. Il y a même une télécommande, enfin, il est vraiment super. Je vous l'avais pas montré l'autre fois. Pardon. Ah. Les gars, là. Wouhou. Je me suis pris une saucée, les gars. Bon, j'ai repris finalement. J'avais plus de. De lait, j'ai encore de la flotte partout. Et tout à l'heure d'ailleurs, j'avais même pas eu le temps hein, d'enlever mon manteau. Je me suis assise, bam, j'ai tout cassé. Des cotons, ça, des petits raviolis emmental basilic. Et puis du sanitol tout dans la maison, parce que j'en avais plus. Alors, ça, regardez, bon, bah, c'est la perche. Ça, c'est ce qui permet de le poser si on veut bah, avoir les mains libres. Et ça. Ça s'adapte, c'est pour faire bah, des selfies, en fait pour soit prendre des photos, soit mettre on, off au niveau de la vidéo. Et puis un petit étui, franchement, c'est top. Hein. Bon, bah, j'ai une tête de fille qui s'est pris la flotte, hein, tout simplement. Alors, petit bilan, bah écoutez, de la journée, mes lunettes, à un moment donné, je pouvais plus parce que j'avais envie de vomir, hein, tout simplement. Donc, j'ai dû remettre celle-ci. En plus, je suis partie en catastrophe à Leclerc, comme vous avez vu. Donc, avec la pluie, bon, c'était pas très prudent de conduire avec des lunettes que je connais pas trop. Demain, bah demain, je vais chez le coiffeur. Donc, ça, c'est bien. Ça va leur faire du bien, je pense. Je voulais vous remercier, bah, écoutez, d'être de plus en plus nombreux et surtout et bah, d'apprécier mes vlogs. Ça me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir, enfin si vous pouvez peut-être savoir, mais voilà, je vous le dis, merci, 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 je vous fais un gros bisou et puis bah, je vous dis à demain pour le coiffeur, pour une nouvelle journée, de nouvelles aventures, parce qu'à chaque fois il se passe des trucs. Allez, à demain, salut.